Allez, aujourd'hui, je fabrique des outils avec des chutes. C'est parti! Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer comment je fabrique des outils à partir de chutes. Alors, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie énormément. Vous me donnez de l'énergie et de la motivation. Allez, assez parlé, on commence. Alors voilà, j'ai préparé mes 5 chutes parce qu'il y aura 5 outils. Ils sont là, je vais vous les dévoiler petit à petit tout au long de la vidéo. À savoir, tous les plans que j'utilise, ils sont à l'échelle 1. Et ils sont téléchargeables dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger, c'est gratuit, c'est cadeau. Et on va commencer par le centreur de champ. Vous allez voir, c'est un outil très pratique pour trouver l'axe d'un champ sans tout le temps mesurer. Donc voilà comment ça se présente. On a un bout de bois de 20 par 20, de 100 mm de long. Donc ici, c'est la vue de dessus à l'échelle 1 sur 1. Je vais venir la découper grossièrement et la coller sur mon bois pour commencer par les perçages. Une dernière chose avant de commencer, quand vous allez imprimer les plans, vous avez les options A4, noir et blanc, recto verso, etc. Vous allez dans les options supplémentaires et vous cochez la case taille réelle. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une différence de cote. Pour 100 mm, il y a 3 mm de différence. Donc là, j'ai collé l'arête ici, ce sera ma surface de référence pour moi venir couper après ici. Donc, je vais commencer par le trou débouchant et ensuite, je ferai les 4 trous non débouchants de profondeur 10. On passe au débit, 20 par 20. Les tourillons ici. Alors les trous ici, c'est pour les planches plus grosses, plus épaisses. Là, on met le crayon gris. Faut pas que ça dépasse énormément. Et après, on prend sa planche, on vient comme ça. Clac. Et voilà. Allez, deuxième petit outil, le centreur pour les cercles. Donc là, pareil, on va coller sur un bout de bois, c'est à l'échelle 1 sur 1. Je vais commencer à percer les trous. Et ensuite, la coupe prioritaire, c'est celle-ci. Il faut que celle-ci, elle soit nickel. Les autres, on s'en fout, c'est juste pour que ça fasse beau. Vous faites la forme que vous voulez. Si vous voulez faire un cœur, vous faites un cœur. Mais il faut que cette coupe-là, elle soit bien droite. Par rapport bien perpendiculaire au trou. Donc, c'est pour ça que je vous incite à télécharger et à faire comme moi, coller sur un bout de bois pour être le plus précis possible. Donc voilà, le plus important ici, ça va être de mettre cette ligne-là parallèle à un champ. Comme ça, pour découper, ce sera plus simple. We'll be right back.
Donc voilà, on vient lui mettre les tourillons. Hop. Alors les deux trous, ce sera pour les grands cercles, je vais vous montrer après. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu mordu ici. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on vient amputer contre le cercle. On trace. On tourne à 90. On trace. Et on fait un troisième trait pour vérifier si c'est bon. Hop. Et voilà, on est bien au centre. Donc pour les grands cercles, ben c'est simple, on enlève les tourillons, on les met sur le gant. Bon, celui-là, il résiste un peu plus. Voilà. Donc pareil, on vient se mettre en bouteille. Tac. On trace 90 degrés, à peu près. On trace. On vient prolonger les traits. Je suis obligé de prolonger parce que mon outil n'est pas assez grand. Si on veut plus grand, on peut le faire plus grand. C'est le même procédé, mais on prolonge cette droite-là. Le deuxième. On va faire un troisième pour vérifier si c'est bon. Voilà. Et voilà, on est bien au centre. Allez, on continue. Le truquin réglé. Alors, il est en deux parties, deux pièces de bois de 10 mm d'épée, avec un trou traversant sur une des deux pièces, et sur la pièce où il y a le trou traversant, on va venir y faire une petite rainure pour venir accueillir le réglé. Donc, je vais vous montrer comment je procède pour faire la rainure. Hop. Je vais le plier vraiment sur l'arête. Ça va m'aider. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je vais procéder pour faire la petite rainure de la taille du réglé. Juste que je double face. Pareil de l'autre côté. On va venir le coller sur la planche. Voilà. On va écarter le guide. Ce sera un guide parallèle de 10 mm de chaque côté du réglé. Voilà. Je vais tracer un RP. Pareil, juste que je double face. Vérifie que je suis bien à 10 mm. Ok. Ok. Ensuite, là, prendre cette pièce-là, on va venir coller celui-là. Là. Hop. Venir comme ça. Ici. Voilà. Là. Pareil. Voilà. Maintenant, je vais prendre du papier de verre. Je vais couper une bande. Je vais venir la couler dessus. Et voilà, mon montage il est fait. J'ai plus qu'à mettre la pièce à l'intérieur et venir poncer. Et je ne vais pas venir poncer jusqu'au temps que ma pièce touche la plaque. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai l'épaisseur du papier de verre. Donc de temps en temps, je vais checker ici
pour voir si je suis bon. Donc là, c'est parti. Donc, magie du montage, ça a été un fail. J'ai mis l'insert à l'intérieur. Déjà, ça a éclaté. J'ai percé trop fin. Ensuite, quand je suis venu mettre la molette avec le réglé, bien sûr, j'ai voulu serrer. Et ça a fait quoi? Bah, ça a tiré sur la colle. Et du coup, bah, ça s'est décollé. Donc là, j'ai recommencé. J'ai fait un peu plus épais. Donc, normalement, ça doit être 15, je pense. Là, c'est du 15. J'ai repercé plus gros l'insert, j'ai pas éclaté. Et là, je vais venir coller et je vais lui mettre des petites vis. Alors, c'est pas les plus belles vis du monde. Mais au moins, dès que je vais serrer, ça va compenser la traction qu'il y a dessus. J'ai eu 2-3 mésaventures, j'ai dû rajouter des vis, ça fait pas très propre, mais ça remplit sa fonction. Alors on a juste à mettre le réglé à l'intérieur. Voilà, on le règle à la distance qu'on veut. Là je vais mettre 60 mm, je serre la petite molette, ça tient super bien. Et ensuite on vient tracer. Hop là. Et voilà. Donc moi je vous le conseille de le faire avec un réglé neuf pour éviter que le bord là il soit abîmé. Alors comme celui-là il me plaît pas trop, parce que j'ai dû rajouter des vis, je m'en suis fait un autre hors caméra avec une queue d'aron. Au moins là il n'y a pas de vis et je peux forcer sur la molette, ça ne craint rien. Et voilà. Et je trouve qu'il est plus joli. Ensuite, le compas à verge. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en deux pièces. Donc une pièce au-dessus qui fait 10 par 35 par 35. Et là qui fait 20 par 35 par 35. Avec une rainure de 15 par 15. Pour venir accueillir la barre ici. Sur le chapeau ici, je vais venir percer un petit trou pour y mettre un clou. Vous allez voir après. Surtout ne pas oublier. Avant de le coller. Sinon, après, pour aller mettre le clou, ce ne sera pas évident.
Allez, pendant que ça colle, je vais couper la barre de 15 par 15. Donc voilà, alors si vous voulez tracer un cercle de 50 cm, donc là je vais venir chercher avec le clou le crayon gris, mes 25 cm, je serre. Et pour terminer, le centreur à tourillon. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, mais rien de bien méchant. Il nous faudra juste un plexiglas et un tube en alu. Là, j'ai marqué alu, mais moi, j'ai qu'un tube en fer. Donc là, il nous faut une pièce de bois de 20 par 35 par 70. Un morceau de plexiglas de 4 mm d'épée de 70 par 100. Un trou de 10 pour pouvoir accueillir le tube de 10, intérieur 8 pour les tourillons de 8, et ce sera à peu près tout. Et 4 vis pour maintenir le plexiglas. Voilà. Plexiglas. Pour ça, je vais changer de lame. Parce que je ne vais pas mettre ma lame neuve. C'est une vieille lame. Maintenant, on va venir tracer l'axe. Donc voilà, avec cet outil-là, vous allez voir, vous avez juste à placer votre assemblage correctement. On va venir tracer un trait ici. Un trait là, par exemple, juste pour les blancs. Voilà. Ensuite, vous venez avec votre gabarit sur le trait. Voilà. Vous mettez un serre-joint et vous venez percer. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les tourillons.
prêt à rentrer. Allons-y. Et voilà. Un coup de sergent, un coup de colle. Dites-moi en commentaire quel outil vous allez fabriquer chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. Surtout, n'oubliez pas la petite cloche, c'est très important. Si vous voulez rien rater, venez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. En attendant, bricolez bien. Ciao !